Bonjour à tous, c'est Rocket106, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour le troisième épisode sur World of Final Fantasy Maxima. Du coup, je suis toujours en remake, c'est le troisième épisode que je tourne à la suite. Et les deux premiers épisodes étaient beaucoup en cinématique, hein, j'espère qu'on va quand même faire un peu plus de fight. Faut qu'on retourne à Grimoire, donc en passant par ce portail-là. Juste avant, les cristaux de sauvegarde, ok. Ok, donc on peut sauvegarder, c'est également là qu'on peut accéder à la balle des mirages, donc le PC quoi. Que voulez-vous faire? Transport interportail. Donjon, région, ville. Ok, bon, on va faire un donjon en fait. J'avais pas capté. Du coup, on revient ici. Pour changer le personnage que vous contrôlez, d'accord. Yare yare, yatto modotte kita. Dare no sei dakke? Dare, toto? Oui, parce que pour info, on a dû retourner dans la ville parce que l'âne a eu la brillante idée d'aller dans un portail sombre qui a amené sur un boss. Où j'avais absolument pas le level pour le battre, donc objet clé. What? C'est quoi tout ça? D'accord. Oh. Ouais, ça c'est les cristaux. Bébé émote. Ah d'accord, en plus. Oui, parce que je suis tombé contre une sorte de bémote, donc c'était la joie. Du coup, formation, parce que je pensais repartir sur les petits. Pas comment les laisser, je vais les laisser en grand pour l'instant. Ah bah oui, du coup il y a du fight tout fait. Accélérer courant, d'accord. Ah, il y a cible, donc oui, du coup on va simplifier, d'accord. Non, j'aurais dû faire Ah, je peux le capturer, d'accord. Ouais, normalement c'est bon, je vais assurer pour choper, on va tenter. Ah, il gagne quand même du niveau lui, d'accord. Du coup, un Escuriax, d'accord. De toute façon, tous ceux que je récupère au début, j'ai l'impression qu'ils sont morts en rapidité. Genre une peinture noire. Entre les membres de l'équipe, quelque chose dans le virage, c'est ceux qui partent. Aux autres, peut-être 8% du total. Ah oui. Acuité. Ah, je peux lui mettre acuité, d'accord. Ça, c'est bien. Compétence. Non, c'est pas ça. C'est formation pour. Ça baisse la magie et ça contrer la défense de magie. Lui, le monde force, magie, défense physique, mais il baisse le reste. Stabilité mode.
J'aurai un drop en feu et en foudre, puis j'aurai résistance, c'est assez pratique. Je vais mettre, et du coup, je vais la mettre en petite. Donc, je peux aussi mettre en petit à. J'ai tabac aussi avec Ben. Ah, Ned, ok. Venu couper, j'ai pas de compétences, j'ai que acuité, mais bon, c'est sérieux. Bah, ça va, il. Ah, ça, c'est bon, il. Ah, j'ai dit du, ça fait cool. Et alors ça, on va le skip. Niveau 26. Ouf. Ok, si je tourne me le faire, j'ai les offres. Surtout pour toi, là. Donc, niveau 26, on va l'éviter de très loin parce que bon. Près du pont. Je suis toujours en donjon. Ça y est, je commence enfin. D'ailleurs, bah, c'est celui de Dora, c'est lui. Ok, là c'est trop stylé. Thank you.
qu'ils ont pas fait à la limite. Stylé, punaise. Les enfants du destin. Trouve la sortie. All aboard the high train. Pour Gigantus, d'accord. Oh, Neta, bon, les bâches d'arrivée. Contrôleur pompe, ok. C'est hyper badant, ok. Faut le composter à chaque fois. Par contre, les bages noirs et blancs, ils avaient pas leur tête de. Pas de tête de bage. Bages noirs, ils étaient pas comme Tibi, quoi. Ouais, si tu vois ce que je veux dire. Tire, toi. Il fallait vraiment emporter tout sur un truc. Si le mage noir. Non, je sais pas. Je pensais à Arc de FF3. Mais non, c'est peut-être pas ça. Arc, il serait dans cette queue normale, je pense. Dans cette queue de Félix. Bah vu que j'ai en l'eau, ouais, bon. Ah Full chain. Habanero-kun da ka nan da ka shiranai kedo. Kakugo shiro. Nan da ka spicy nano desu.
Ah, c'est toi, Tech. Bon, là, déjà, ok. Aïe. Y'en a qui zone, y'en a qui a t'éclaté. J'ai vu qu'ils sont shade, ça veut dire que je peux pas les choper, théoriquement. Merde, j'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. Je voulais attaquer celui à l'épée, j'ai pas fait gaffe. Oh le con. Bon bah, on va faire de la gros normal. Certains virages sont contre de bière à mettre. On voit clairement les chaînes, oui. Il est possible de capturer un virage qu'il faut au contrôle de quelqu'un. C'est toi, arrête. D'ailleurs, c'est quand qu'on aura notre premier virage spécial? Ah. Carnet de journaliste ancien. Quelle est cette chose? Idéalis Aliglantine, c'est la nature, il existe un héros qui résiste à l'armée de Bahamut surnommé Idéalis Aliglantine. Il aura les cheveux argentés et porterait un bandana coloré. Plusieurs rumeurs incroyables circulent le concernant. Qu'il avait attaqué un officier de l'armée de Bahamut, avait fait exploser un de leurs navires de guerre, et ce de façon assez soudaine. Toujours est-il que le personnage fait l'objet de beaucoup d'attention. Je veux qu'il soit dirigé vers ça. On dirait aussi que j'ai décidé de me rendre là-bas sur cette race. Ça parle pas du tout. Ce cheveu argenté, la seule référence que j'ai, c'est l'UDEF et ses fiances. Avec la porte assez grande, quand même. Aratamemashite, Cornelia osamete orimasu, Seira to moushimasu. Sarah, ok. Oh, Ohime-sama tte koto? Sou datta ndesu ka? Sumimasen, toku ni Ran ga iroiro to bure o hatarakimashite. Ne, onne dake?
私は姉のレーンと言います。失礼しました。いえこちらこそ。最初はバハムート軍のものかと疑ってしまいまして。それなのに先ほどはバハムート軍のミラージュより町をお守りくださりありがとうございました。あ、いやそんな丁寧にされると困る。何急に慌ててるの。でも確かに私たちそんな大層なもんじゃありませんので。そうそう、少々くらいなもんなんで。はい、あ、そうですよ。少々なんて言葉初めて聞いたのです。あ、すみません。とても予言に謳われている方々には見えませんね。予言？あ、そういえばさっき町の人たちもなんかそんなことを言ってたような。失礼しました。少し順を追ってお話しさせていただきます。ここコーネリアはグリモワルの中層にある非連邦国です。非連邦国？はい、現在グリモワルでは世界中のほとんどの国家、自治区がブレンディレス・ミツカイオを頂点としたバハムート連邦王国に参加しています。しかしコーネリアは未だ連邦には加盟しておりません。連邦からは幾度となく加盟するように達しがあったのですが、断り続けるうちに侵略まがいの行為をしてくるようになって。それがさっきのミラージュたち。はい、さっきおっしゃっていた予言というのは。青の予言の分岐に関するくだりです。再び刻まれし時、丘よりの大人、異界より来たる訪問者として帰らんかの者たち、世界に二つの分岐を生み出す。それはクゼとなるか破滅となるか、大いなる意志の届かぬ闇の中。破滅とクゼの分岐。クゼ？クゼ、お前マジでクゼ。何を言ってるでした。ママは臭くなんかないのです。ランはバカでした。誰がバカですか。弟たちは無視してください。少々ぶしつけな質問かもしれませんが、この国が加盟をしていない連邦国に他の多くの国が参加しているのはなぜでしょう。グリモワルにいるミラージュは支配の大小こそありますが、ほぼ全てが連邦の管理下に入っています。連邦の後ろ盾さえあれば国民は普段の生活におけるミラージュの脅威から解放されるのです。世界中のミラージュを管理。マジで？はい、マジです。バハムト軍のセグリワですと、ペリノアという2人の見つかりは、なんで大昔のミラージュ使いの女王様のように全てのミラージュを管理していると聞いています。ミラージュ使いの女王様、昔はそういう人がいたんですね。はい、もう100年以上前の話ですが。ならこれも素朴な疑問なのですが、連邦がミラージュの脅威を取り除いてくれるというのは、ここの国民にとってもいいことなんじゃないですか。そうかもしれません。しかし連邦に加盟をすると彼らの法制度に沿いある思想も受け入れねばなりません。私はそれがとても恐ろしいのです。恐ろしい？はい。これはどうかあなた方の目でいつか直接ご覧になり考えてみてください。わかりました。それであなたたちはこれからどうなさるのですか。ま、どんな状況だとしても今の俺たちって結局ミラージュを集めるしかないかと思うんだよね。え、私たちは以前持っていたミラージュを失っていて、それと一緒に記憶もなくしちゃってるみたいなんです。で、もう一度ミラージュを集めていけば記憶が取り戻せるかもって言われて。だからあのゴブリンどもがミラージュならサクッとやっちゃいいんしょ。それはつまり
多分どれくらい役に立つかわかりませんが協力しますってことが言いたいのかと。よかった、ありがとうございます。少し安心いたしました。でも協力するにしてももう少しミラージュがいた方がいいんじゃない？私たちミラージュがいないとまともに戦えないし。そうだな。お姫様、ここらにいろんなミラージュがいる場所ってあったりするのかな？それならここから北東に進んだところにネブラの洞窟という野生のミラージュが数多く生息している場所があります。お、あるな。でもそこはかなり凶悪なミラージュの報告もある、とても危険な場所です。へえ。もし行かれるようでしたらくれぐれも注意なさってください。ありがとうございます。肝に銘じさせておきます。させてって俺のこと？俺だけ？Fais pas idiot, fais pas idiot. Et encore une sauvegarde qui tombe au bon moment. Parce qu'en fait, ça a besoin de se recharger là. Donc, je vais abréger parce qu'il faut que j'éteigne vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, du coup, le commentaire, le partage, le pouce bleu et abonnement pour ne pas manquer la suite. Je vais attendre un peu avant de poster le quatrième épisode. Enfin, de le tourner, du moins. Je vais d'abord poster les vidéos et puis il faut que je finisse le montage d'une autre. Du coup, eh bien, je vais vous lâcher, désolé. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye bye. Ciao.